Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit déj comme d'habitude, avec un booster de la série XY Primoshock, celui de Mega Galeking. La force brute à l'état pur, le Pokémon que je cherche depuis un petit moment, je vous avoue que Galeking X ou son Mega etc. m'intéresse fortement, j'aimerais bien les piocher, mais bon, on va voir, on a qu'un seul booster et ce n'est pas garanti qu'on ait une bonne pioche. Toutefois, on n'est pas là forcément pour la pioche, on est là pour passer un bon petit déjeuner ensemble, et moi je suis bien enthousiaste pour y aller dès maintenant. Alors, le Donut Booster, c'est pour vous, le réveil d'anciens rivaux. Ça présage un peu de la destruction, j'espère qu'ils ne vont pas mettre le chaos. Mais nous, on est parti pour découvrir de bons Pokémon avec de belles illustrations, et je suis sûr qu'on peut passer un véritable petit déjeuner comme il se doit. Alors, le code online, c'est pour vous, c'est cadeau de la maison. Qu'est-ce que j'en offre? Je devrais me faire payer pour vous offrir ces codes. Non, je rigole, vous inquiétez pas, hein, c'était une blague. Ne croyez pas que je suis intéressé par l'argent. Et aujourd'hui, on est reparti avec une super commune en première carte, un Zigzaton. L'illustration est comme ça, j'adore. J'adore l'illustration de Zigzaton. C'est un Pokémon qui me fascine, il est vraiment super mignon et j'adorerais qu'il existe dans la réalité, ce Pokémon. Il me fait vraiment chaud au cœur. On continuera avec un Arco, ça fait plaisir. D'ailleurs, Junko, il vient pas, là, le Junko Alphard. J'aimerais bien que tu me le donnes, ça serait plaisant, hein. Derrière, nous aurons un petit Goupix, qu'on avait eu dans le deck de Primo Kyogre, d'ailleurs. On enchaîne avec Rhinocorn. Et ben voilà, un Pokémon que je n'avais encore jamais obtenu. Très plaisant, j'adore l'illustration. Cette série est juste monstrueuse, elle est tellement belle qu'elle... Vraiment haut la main la série que je préfère dans Primoshock, hein. Je ne cesserai de le dire, mais j'adore. Je pense que je vais en ouvrir des tonnes et des tonnes tout le long de ma chaîne. 3 Rhinocorn à pleine vitesse. On continuera avec un Musiole. Bon, ça c'est un Pokémon que je n'aime pas trop, mais c'est pas grave. Derrière nous aurons, super, Masco. Ça, ça fait plaisir, je ne l'avais pas non plus je crois. Et j'adore cette famille-là, je l'adore, ça fait très plaisir. On enchaînera derrière avec un Lanterne. On continuera avec le Sanctuaire des Souvenirs, ça me fait un peu penser au jeu Pokémon XD, non, Colosseum plutôt sur GameCube, ça remonte à loin, j'étais très jeune à cette époque-là, et avec la petite vallée où il y avait Celebi pour purifier justement les Pokémon obscurs, je ne sais pas si vous avez connu, mais ça me fait penser à cet endroit-là. On continuera avec une Reverse, il s'agira de Rototop en Reverse, ouh d'ailleurs c'est bien éclairé, voilà, je vais pencher un petit peu la carte. J'adore parce qu'on dirait qu'il fait une attaque hâte, il y a plein de Rototop un peu partout, je trouve ça pas mal. Et on terminera ce petit déjeuner, ok d'accord, par roulement de tambour, 1, 2, 3, 1, 2. Oh, ça fait plaisir, un Pokémon Dragon. Ah, elle est belle, j'adore, ça y est, j'ai eu l'holographique que je voulais. Voilà, j'ai eu l'holographique qui m'attendait, que je voulais absolument. C'est un petit déjeuner en or. Oh, j'adore. L'Ibegon holographique, c'est exactement la carte que je voulais. Magique. Limite, c'est mieux qu'une ultra rare, c'est mieux que le petit déj où on a eu la dernière ultra rare. Je vous le garantis, j'adore. J'adore, ça fait trop plaisir. Une holographique de type dragon et en plus l'Ibegon, hein, qui est pour moi un des meilleurs Pokémon dragon de toute l'histoire Pokémon. Regardez ce fond derrière lui dans la vallée, enfin dans un désert, c'est tellement beau. C'est vraiment tellement beau, vous verrez, même les voitures sont d'accord avec moi, coup de klaxon en continu. J'adore, ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Je mets la carte ici. Alors, et on a un Rototop en reverse. Ouais, voilà, tout le monde s'exclame, il y a carrément les ambulanciers. Une petite pause s'impose. Et me revoilà, désolé de la petite coupure, mais vu que j'ai une bonne carte, les ambulanciers, les klaxons, tout le monde a décidé de s'amuser pour fêter cet événement. En tout cas, on a eu l'esprit du désert qui provoque des petites tempêtes de sable avec ses ailes. J'adore ce petit déj, j'ai passé vraiment un super moment, ça faisait un moment que j'avais pas autant profité, et j'espère que ça a aussi été votre cas. Je vous la remonte de plus près une dernière fois, regardez-moi à quel point elle est trop belle. J'adore ce petit déj, j'adore cette holographique, et j'ai vraiment passé un super moment, c'était vraiment très plaisant, j'ai adoré, franchement, un petit déj en or comme je les appelle. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude le petit déj habituel, j'espère que vous serez là au rendez-vous. Quant à moi, je repars à mes activités et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde.